belle-mère, dis-moi, tu n'as rien de mieux à faire? Veux-tu te dépêcher de ranger ta chambre? Ça sera pas du luxe. Bonjour, mademoiselle, je représente les établissements Nuisibella et j'ai le plaisir de vous présenter le nuisible au capillobello qui garantit volume et brillance à votre coiffure. Ça m'intéresse pas. Qu'est-ce qu'il y a? Ils sont pas beaux, mes cheveux? Ils sont magnifiques, mais mon offre est gratuite. J'ai dit non, enfin si. Bon, c'est d'accord, allez-y. Vous ne le regretterez pas, mademoiselle. Vous avez bien dit que c'était gratuit. Saviez-vous? Quand le docteur Nuisible a une invention en tête, rien ne peut l'arrêter. Pour fabriquer la chevelure de son nuisible Raymond, il n'hésita pas une seconde à sacrifier son nuisible au doudou. C'est vous dire à quel point il est impitoyable. Désolé, mon minou, mais la science passe avant tout. Belle-mère, range ta chambre. Mais maman, c'est ce que je suis en train de faire. Très bien. Alors maintenant, tu peux aller ranger le monde. Toi aussi, la demi-portion. Allez, zou, au boulot! C'est une mission pour... Captain Biceps! Je ne veux plus voir ces voitures éparpillées dans la rue! Tu vas me les ranger en pile! Hein? T'es pas sérieuse? Non, attends un moment, dis-moi que tu rigoles! Est-ce que j'ai vraiment l'air de rigoler? Fais ce que je te demande et que ça saute! Mais maman, t'es sûr qu'il vaut mieux pas les laisser garer sur les places de stationnement? Qui est-ce qui s'occupe du rangement ici? Exécution! Je veux voir qu'une seule pile et rien qui dépasse, compris? Très bien! Maintenant, allons ranger le bureau du président! Tiens, prends ça, gros vilain méchant! Pif! Pouf! Biceps! De quoi s'agit-il? Il n'y a pas de super méchant d'activité que je sache! On est venu ranger ce bazar! Et ça ne va pas être de la tarte! Un cochon n'y retrouvera pas ses petits dans votre porcherie! Quoi? Mais de quoi je me mêle? Qui vous a permis d'entrer? Belle-mère, pour commencer, ce buste hideux doit aller directement à la poubelle! Biceps, je vous l'interdis formellement! Belle-mère, attention, je ne le répéterai pas! Jette-moi tout de suite cette horreur à la poubelle! Madame Rateau, je m'explique mieux le comportement de votre fils en voyant l'éducation que vous lui donnez. Toi, dégage et n'essaie pas de m'approcher, sale petit moucheron. Sale petit quoi? Misérable insecte putride. Comment oses-tu poser tes sales pattes sur le docteur Nuisible? Docteur Nuisible? Madame Rateau, c'en est trop, votre compte est bon. Monsieur le Président, ce n'est pas Madame Rateau, c'est le docteur Nuisible! Quoi? Maman serait le docteur Nuisible? Regardez, c'est un robot! Horreur, malheur et sacrilège! On ne touche pas impunément à la maman du bras armé de la justice! Eh bien, mon pilou, viens faire un gros câlin à maman chérie! Excusez-moi, Madame Rateau, pas vrai que le docteur Nuisible est le plus grand crétin intergalactique du monde? Vous n'êtes pas d'accord? Silence! La porte! Le docteur Nuisible est le plus grand génie de tout l'univers, tu entends? Maudit tas de ferraille! Je vais te faire avaler ta mise en pli! Nuisible, c'est pas parce que tu ressembles à maman que je vais me gêner pour te refaire le portrait. C'est ça, oui. Tiens, mange ça, Atomic Kiki. Attention, Captain.
C'est bien, mon petit filou. Allez, enfile-moi ça, tu risques de prendre froid. Rive et tes airs. Non, mais qu'est-ce que c'est que ces manières, Elmer? N'oublie pas que je suis ta mère. Super lancé de poubelle en action. C'est bon, je vous tiens, Capitaine. Biceps technique. Genius, il faudra revoir la technique d'atterrissage. Rétrofusant anti-poussière en action. C'est quoi ce robot en fer blanc? Je parie qu'il a même pas de laser. Ah, oh, tu crois? Et ça alors, c'est quoi? Une lumière d'ambiance? Bon, d'accord, d'accord, mais je parie que vous n'avez pas d'interrupteur. Ah oui? Et ça, c'est quoi? Un grain de beauté? Hein? Malédiction! Nuisible, puisque t'aimes bien changer de tête, je vais t'en refaire une toute neuve façon biceps. Un peu de plus, biceps, et ta mère pourra dire adieu à jamais à ses mises en plis. Regardez ça, Captain. Captain Biceps. Eh bien, heureusement que c'était gratuit, parce que je ne trouve pas que ce traitement soit très efficace. Rentrons vite à la maison, je ne veux pas rater le début de mon feuilleton.